Salut la compagnie, salut les filles, salut les garçons. C'est une petite vidéo en réponse à Frédéric Demarche concernant l'exercice qui monte sur une conga. En tout cas, j'ai compris que c'était sur une conga, lui il le monte sur une table de bilatéralité. Alors, c'est le niveau 1, on va dire, en bilatéralité sur une seule conga. Je vais vous montrer 3 ou 4 exemples de ce que je peux faire sur une seule, sachant que la base, c'est la marcha qu'on alterne, qu'on fait passer d'une main à l'autre, de la manière suivante. Petit mot, j'évite trop tendre la peau de la conga pour que ce ne soit pas trop flatteur non plus techniquement. Donc voilà à peu près, voilà à peu près ce que ça donne. Je vais mettre une clave quand même, histoire de. Voilà. Si vous me laissez 2 secondes. Hein. Voilà. Sachant que j'avais fait la remarque à Frédéric qu'il avait tendance à faire ce que font beaucoup de gens hein, quand ils ont, quand c'est un des défauts peut-être les plus courants qu'on rencontre chez des gens qui font les congas et qui font la marcha et puis qui n'ont pas forcément eu de prof ou de gens qui lui ont dit ça là. Non, c'est vraiment voilà. Et la main elle se relève qu'une fois que le claquet est fait. Hein. Et de l'autre côté c'est pareil. Hein. Hein. D'ailleurs ça pourrait être un exercice préliminaire déjà. Hein. Pour certains, d'autres n'en auront peut-être pas besoin. Ok. Donc avec la clave, le premier exercice. Peut-être pas aller trop vite pour que vous voyez bien les détails. Hein. Sachant que la vitesse en soi n'a que très peu d'intérêt, c'est vraiment la qualité du son qui va vraiment être très dominant dans l'histoire.
va essayer un tout petit peu plus vite. Voilà, en espérant que vous entendiez bien la clave, hein. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Été instructif et que ça vous a plu. Salut à toutes et à tous.